Bonjour à tous et à toutes. Alors là, je pense que j'ai un ancien affût. Je me demande si c'est pas un ancien pit. Tu vois, parce qu'il y a une architecture faite de la main de l'homme. Il est rare que les plantes, que les arbres poussent comme ça, tu vois. C'est une ancienne architecture. Et je pense que là, il y a peut-être un chasseur qui s'est mis à l'époque. Tu vois, regarde. Vous voyez, regardez. Ça, c'est une architecture d'humain. Et vu la forme à laquelle que ça prend, quand on regarde, vu la forme à laquelle que ça prend, ça peut être un ancien affût de quelqu'un, ça, d'un chasseur ou autre. Enfin, là, se mettre au pied d'une bordure de route, à moins que ce soit un affût de battue, peut-être, sachant que si c'était une battue, ils doivent être rentrés au bois, par là, et tirés de l'autre côté. Ouais, en fait, c'est chaud, là. Si ils ont fait un pit, là, pour faire la battue, ça m'étonnerait, quand même. Hein. En fait, tu vois, ça, je te garantis que c'est un ancien affût. Ou un pit, ou un poste, enfin, quelque chose qui était prévu, donc il doit y avoir peut-être par là. Mais le créneau en hauteur, tu vois, est pas très terrible. Je me demande, soit un affût. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quand ils sont activés. Parce que moi, je me demande si c'est pas ça, parce que c'est quand même pas trop mal placé quand on regarde. Tu vois, c'est quand même marrant. C'est placé dans un truc, entre deux arbres, ça peut être un ancien affût, ça. Eh bien, vous allez me le dire dans les commentaires. Allez, si t'as aimé la vidéo, pouce levé. Puis tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3. Je ne réponds pas à certains commentaires, bien sûr, quand ils sont trop harceleurs et trop imbéciles. Au revoir, à bientôt et merci.